Bonjour, en direct toujours d'Ecclésia Quantique avec une volontaire, Mathilde, qui nous a rejoint. Mathilde, tu es lilloise. Oui. Et donc pour toi, tu te dis, qu'est-ce que je fais de ce week-end ? Eh bien, je viens aider pour Ecclésia Quantique. Qu'est-ce qui t'a donné, qui t'a poussé à rejoindre tes copains, finalement ? Le principal fait, c'est accueillir. À Lille, on est connu pour être doué en accueil, bien accueillir. Et du coup, c'était le moment ou jamais de se rendre utile pour accueillir tous les participants qui viennent de partout en France avec ce bel accueil lillois qui a commencé hier soir à la gare avec l'accueil de tous les trains. Et là, qui continue avec toutes les petites transitions en musique et ensuite guider tous les participants pendant le week-end avec le sourire et pour que chacun vive ce week-end au mieux sous le soleil lillois. Et on a bien choisi la ville de Lille parce que 5e édition avec beaucoup de convivialité et surtout une thématique qui s'y prête, la joie de la mission. En quoi ça résonne pour vous ? La joie de la mission, c'est assez simple quand on parle de chant, parce que le chant est destiné à être donné aux autres. Par notre chant, on permet aux autres d'écouter du beau, en espérant qu'on arrive à faire du beau quand même. Et chanter, on dit souvent que c'est prier deux fois, et ça permet aussi de diffuser des beaux textes, de diffuser du beau et de témoigner de notre foi par ce chant-là. Et le chant, ça touche tout le monde. Voilà, c'est ça. Et là, on va être envoyé cet après-midi un peu partout dans l'île par petites chorales d'une vingtaine pour aller chanter et comme ça, témoigner simplement par le chant, pas besoin de parler comme je suis en train de le faire là, mais simplement aller chanter et en étant présent, en étant heureux et en chantant, on va témoigner de notre mission. Un beau témoignage, en tout cas, sous ce beau soleil lillois. Nous réussissons vraiment sur cet événement. Merci beaucoup, Mathilde. Merci.